top 10 des villes où vivent le plus de milliardaires. Les détenteurs des plus grosses fortunes peuvent habiter partout dans le monde. Et pourtant, beaucoup privilégient les mêmes lieux. Parmi les 2153 personnes figurant dans le classement Forbes des milliardaires mondiaux de 2019, 551 vivent dans seulement 10 des 1860 villes du monde. Les milliardaires vivant dans cette relativement petite poignée de localisations détiennent tous ensemble 2,3 milliers de milliards de dollars de fortune, dépassant de loin le PIB des 7 nations du monde réunies. La ville de New York s'affiche à nouveau en tête de liste avec 84 milliardaires, dont le total cumulé de 469,7 milliards de dollars dépasse le PIB de l'Autriche. Plus grande ville des États-Unis et résidence des deux plus grandes bourses du monde, New York a été le lieu de résidence de la plupart des milliardaires ces 5 dernières années. La série a commencé en 2015 lorsque Moscou a été déclassée, occupant la troisième position depuis 2016. La capitale russe comptait 85 milliardaires en 2014, 14 fois plus qu'à présent. La Chine compte le plus grand nombre de villes figurant au top 10, avec 145 des milliardaires du pays vivant en seulement 3 endroits, numéro 4 Pékin, numéro 6 Shanghai et numéro 8 Shenzhen. Bien que les trois villes chinoises comptent moins de milliardaires que l'an dernier, elles représentent toujours 45% des membres de la liste du pays. Ce pourcentage pourrait encore augmenter à mesure que la Chine s'urbanise davantage. D'après les données du recensement chinois, la population urbaine du pays est passée de 48% à 59% depuis 2009. Les 10 mêmes lieux étaient aussi les plus populaires au sein du classement des milliardaires mondiaux de l'an dernier, bien qu'avec des positions légèrement remaniées. San Francisco a connu le plus grand bond d'une année sur l'autre, passant de la 10e à la 7e place et augmentant de 8 milliardaires supplémentaires, dont Brian Armstrong, cofondateur de Coinbase, et Mimi Haas, héritière de Lévi-Strauss. Mumbai est la plus grande perdante, passant du numéro 7 au numéro 10 avec une perte nette de 8 milliardaires. 9 d'entre eux ont été retirés de la liste, dont Samprada Singh et Basudeo Singh d'Alchem Laboratory, dont le cours a chuté d'environ 20%. Un seul nouveau milliardaire est apparu dans la ville la plus peuplée de l'Inde, l'héritier de la compagnie de peinture Mahendra Choksi. Voici 10 villes qui comptent le plus grand nombre de milliardaires, de la numéro 10 à la numéro 1. Avant de commencer, merci de vous abonner à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être notifié de nos prochaines vidéos. Merci. 10. Mumbai, 37 milliardaires, moins 8 depuis 2018. Valeur nette totale, 184,4 milliards de dollars. Résident le plus riche, Mukesh Ambani, héritier du pétrole et du gaz, 50 milliards de dollars. Mumbai abrite ce qui est probablement la résidence la plus chère au monde, le palais à 27 étages d'Ambani, d'une valeur d'un milliard de dollars. C'est également cette résidence qui a été le lieu de l'un des mariages les plus grandioses et les plus coûteux jamais organisés, encore une fois grâce à Ambani. En décembre 2018, il a été le lieu, le temps d'une semaine, de célébration en grande pompe pour sa fille Isha et le fils du milliardaire Ajay Piramal. 9. Séoul, 38 milliardaires, moins 3. Valeur nette totale, 99,9 milliards de dollars. Résident le plus riche, président de Samsung Lee Kuan-hee, 16,9 milliards de dollars. Tous les milliardaires de la Corée du Sud, sauf un, résident dans sa plus grande ville et sont tous citoyens sud-coréens. Les habitants les plus riches de Séoul contrôlent les plus grandes entreprises du pays, y compris les centrales mondiales Samsung et Hyundai. La Corée du Sud est également le quatrième marché mondial des jeux en ligne,
plus de 5,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires par Nuozhou, et le secteur a produit 5 milliardaires de Séoul, dont Kim Jung-ju, le créateur de Maple Story. 8. Shenzhen, 39 milliardaires, moins 5. Valeur nette totale, 190,5 milliards de dollars. Résident le plus riche, Ma Hua Tang, PDG de Tencent, 38,8 milliards de dollars. Qualifié de zone économique spéciale lors des réformes économiques chinoises des années 1980, la ville frontalière de Hong Kong est devenue un pôle économique et touristique. Tous les listmakers de Shenzhen sont des milliardaires autodidactes. Hui Kaiyan, le deuxième réside le plus riche, a travaillé comme technicien d'usine pendant 10 ans avant de fonder un des principaux promoteurs immobiliers chinois. Frank Wang est devenu le premier milliardaire de drones au monde en 2016, en compagnie d'un des premiers investisseurs et de son chef du marketing, tous deux résidents de Shenzhen. 7. San Francisco, 42 milliardaires, plus 8. Valeur nette totale, 109,2 milliards de dollars. Résident le plus riche, Justin Moskowitz, cofondateur de Facebook, 11,1 milliards de dollars. Au cœur de la révolution technologique américaine, San Francisco est le siège des fondateurs d'Uber, Airbnb et Pinterest. L'afflux d'entreprises de l'ère numérique dans la région en a fait la ville la plus chère des États-Unis. Toute la région de la baie, y compris San Francisco et les villes voisines, compte 82 milliardaires, toujours moins que New York. Un seul fugitif, le cofondateur de PayPal et bailleur de fonds de train, Peter Thiel, qui a déménagé à Los Angeles en 2018, semble-t-il pour sa plus grande diversité politique. 6. Shanghai, 45 milliardaires, moins 5. Valeur nette totale, 110,7 milliards de dollars. Résident le plus riche, Colin Wang, entrepreneur en commerce électronique, avec 13,5 milliards de dollars. Alors que le commerce électronique explose dans le monde entier, il en va de même pour des fortunes comme celle de Wang, qui est liée aux détaillants en ligne Pinduoduo. L'afflux d'articles achetés en ligne a créé un énorme marché de livraison de colis. Shanghai, qui est également le plus grand port au monde, abrite 4 grandes entreprises de livraison de colis, chacune ayant à leur tête une paire de milliardaires. Le duo logistique le plus riche de la ville est lié à Yanda Express, ses conjoints cofondateurs, Ni Tang Jian et Shen Lai Yin, représentent une valeur combinée de 5,1 milliards de dollars. 5. Londres, 55 milliardaires, plus 0. Valeur nette totale, 226 milliards de dollars. Résident le plus riche, Mikhail Friedman, cofondateur de la banque russe privée Alpha Bank, 15 milliards de dollars. Londres, avec plus d'hôtels 5 étoiles que toute autre ville, est la mecque des plus riches. Alors que 20 milliardaires britanniques vivent dans cette ville cosmopolite, 35 milliardaires expatriés de 23 pays, dont l'Inde, l'Islande et la Russie, se sont installés à Londres. 5 d'entre eux, dont 2 héritiers d'IKEA, viennent de Suède. 4 sont des Russes, dont la femme la plus riche de Russie, Elena Baturina, dont le mari a été démis de ses fonctions de maire de Moscou en 2010. Et bien qu'il ne soit pas un résident, Ken Griffin, directeur de Hedge Fund à Chicago, a acheté une propriété de 122 millions de dollars à seulement 10 minutes de marche de Buckingham Palace en janvier. 4. Pékin, 61 milliardaires, moins 3. Valeur nette totale, 193,3 milliards de dollars. Résident le plus riche, le titan de l'immobilier commercial Wang Jianlin, 22,6 milliards de dollars.
Pékin abrite les deux plus jeunes milliardaires de Chine, tous deux produits de l'ère Internet, Jianwu, 33 ans, dénicheur de crypto-monnaies, et Zhang Yimin, 35 ans, président de ByteDance. À l'ère de l'Internet, le succès de son centre de création de contenu d'une valeur de 75 milliards de dollars a fait passer Zhang du 13e au 2e rang des plus riches de la ville en seulement un an. Il n'est dominé que par Wang, qui a fait fortune grâce à l'immobilier. La technologie et l'immobilier constituent les secteurs les plus populaires auprès des milliardaires de la capitale chinoise. 3. Moscou, 71 milliardaires, moins 6. Valeur nette totale, 336,5 milliards de dollars. Résident le plus riche, l'oligarque du gaz naturel Leonid Mikhelson, 24 milliards de dollars. Près de 80% des milliardaires de Russie vivent dans la capitale, qui est aussi la ville la plus peuplée. Moscou abrite 5 milliardaires sanctionnés par le Trésor américain en avril 2018, Oleg Deripaska, soupçonné d'ingérence électorale, Victor Vexelberg, qui aurait des liens avec Michael Cohen, l'élu Andrei Skaosh, Arkady Rotenberg, ancien partenaire de judo de Poutine et l'économiste Souleyman Kerimov. Kerimov, le « grand Gatsby » russe comme on l'a surnommé, a été accusé de blanchiment d'argent en France, accusations qui ont été abandonnées en juin. 2. Hong Kong, 79 milliardaires, plus 2. Valeur nette totale, 355,5 milliards de dollars. Résident le plus riche, Li Ka-shing, le roi des conglomérats, 31,7 milliards de dollars. Le prix de l'immobilier dans la ville a quadruplé depuis la grande récession, notamment grâce à l'emprise de son gouvernement sur l'offre. Le marché en plein essor a fait fructifier la fortune de promoteurs comme Li Shaoqi et Peter Wu, et 29 milliardaires de Hong Kong, et la moitié de ses 10 plus riches, considèrent l'immobilier comme leur principale source de richesse. Mais une correction pourrait être imminente, un sondage Citigroup indique que 57% des Hongkongais prévoient une baisse des prix de l'immobilier résidentiel en 2019. 1. New York, 84 milliardaires, plus 1. Valeur nette totale, 469,7 milliards de dollars. Résident le plus riche, le magnat des médias Michael Bloomberg, 55,5 milliards de dollars. Certains milliardaires du Big Apple sont nés et ont grandi à New York, notamment Ronald Lauder, héritier d'Est Lauder, Jamie Dimon, chef de JP Morgan Chase et Henry Suica, cofondateur de Highbridge Capital. Dimon et Suica sont deux des 40 milliardaires de la ville dont les fortunes ont été construites dans la finance, le plus riche étant Carl Icahn, l'un des rares gestionnaires de hedge fund à gagner de l'argent en 2018. Et bien que le propriétaire le plus célèbre de la ville loge actuellement à la Maison Blanche, 17 autres milliardaires de l'immobilier vivent dans la ville de New York. C'est le cas du New-Yorkais Steven Roth, dont la société immobilière Vornado possède 70% du gratte-ciel de Trump situé au 1290 Avenue of America. Mais tout comme à Londres, la résidence la plus chère de New York, un penthouse d'une valeur de 238 millions de dollars situé à Central Park, appartient à Ken Griffin, originaire de Chicago. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et partager avec vos amis. Merci, à très bientôt.